Salut les coccipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous accueillir. Alors écoutez, dans cette vidéo, ça va être la visite un petit peu tremblotante, on va dire, de Casares. Pourquoi tremblotante? Eh bien parce que j'ai décidé de prendre Coda avec moi. Mais quelle histoire entre prendre Coda avec moi, qui est une boule d'énergie perpétuelle et inusable, infatigable, devoir le tenir comme ça, en même temps avoir la caméra, en même temps prendre des photos avec mon téléphone, parce que comme vous le savez sur Instagram Annabella Coccinelle, je ne vous le rappelle plus, je poste des petites photos au jour le jour de mes reportages et de toutes mes visites, attention, parce que sur YouTube je ne mets pas toutes mes visites, mais sur Instagram c'est ce que je fais. Et bien ce fut assez compliqué, mais je trouve que le résultat est quand même pas mal, j'ai quand même pu vous filmer pas mal de choses, et puis vous verrez dans la prochaine vidéo, j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir filmer tout en ayant Coda. Vous allez voir comment je vais faire. Bon, c'est pas encore gagné non plus, mais on va finir par y arriver. Dans cette vidéo, je remercie aussi quelqu'un en particulier qui, je dirais, a changé ma vie. Alors, dans un premier temps, je dirais en très très mal. Hein, franchement, j'ai très mal vécu un petit peu ce qui s'est passé. Mais avec le recul, je peux dire que cette personne a changé ma vie sur plein de points différents et des points extrêmement positifs. Donc vraiment, il n'y a aucune animosité dans cette vidéo. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus rien, franchement, j'ai pardonné cette personne, c'est même pas que j'ai pardonné, c'est que voilà, je suis passée à autre chose, mais c'est hyper positif. J'essaierai peut-être un jour de vous faire une vidéo sur le changement que ça m'a donné, outre le camping-car en lui-même, ça de là a découlé plein d'autres changements personnels sur ma manière d'être, de voir les choses apaisées. Vraiment, je me sens beaucoup mieux à l'heure actuelle qu'il y a encore un an de ça. Donc, merci à cette personne. Voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut, salut les petits amis. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous le voyez, le mot lavomatique? Eh oui, il faut bien y passer, hein, malheureusement. J'aurais bien évité, mais... Contrairement à ce que pensent les haters, je change de vêtements quand même assez régulièrement, donc forcément il faut faire des machines. Voilà, prendre au deuxième degré bien entendu. Et donc, bah ouais, j'en ai profité pour faire un petit peu de linge parce que c'est jour férié aujourd'hui en Andalousie. C'est justement le jour de l'Andalousie. Donc tout est fermé, il y a du monde un petit peu partout, donc je me dis pourquoi pas en profiter pour faire du linge. Et puis ce qui est assez bien ici, c'est que... Ouh ! On la refait. Mais c'est pas possible de trébucher là-dedans. Bon, il y a des poubelles, donc je vais en profiter pour vider mes deux poubelles qui sont là et les grands bidons comme ça. J'ai décidé d'acheter des bidons de cette taille-là, donc de 6 litres. C'est beaucoup plus rentable parce que sachez qu'un bidon comme ça de 6 litres coûte 60 centimes alors que 50 centimes, c'est le prix d'une bouteille de 1,5 litre. Voilà, ils font vraiment tout pour qu'on achète les grands bidons comme ça et donc réduire sa consommation de plastique. Alors oui, jugez-moi, jetez-moi au bûcher si vous le souhaitez, mais je ne bois de l'eau qu'en bouteille. Voilà, je ne bois pas l'eau de ma cuve, je sais, c'est débile. Mais j'ai toujours fait ça, j'ai été habituée comme ça dans ma famille, et on a toujours bu de l'eau en bouteille plutôt qu'au robinet. Donc j'ai pris cette habitude-là avec le temps. Voilà, voilà, vous savez tout. Bon, ça c'est le reste de la monnaie pour faire mes machines. D'ailleurs, je suis trop contente parce que j'apprends de plus en plus de mots en espagnol, donc j'arrive, on va dire, un peu à me faire comprendre. Et des fois, quand je doute, je prends mon téléphone vraiment s'il y a besoin. J'apprends, on va dire, les mots les plus essentiels. Un mot, on dirait pas qu'on l'utilise souvent, mais le mot « mais », on l'utilise quand même assez souvent. Donc ça, ça c'est bon, ça c'est acquis, sur, sous, pourquoi, où. C'est des petits mots comme ça qui ont l'air anodins, mais en fait qu'on va utiliser le plus dans les conversations. En plus, après, d'enrichir mon vocabulaire au fur et à mesure. Là, c'est vrai que quand j'ai été voir le gars, parce qu'apparemment, on ne peut pas payer les machines avec la carte bancaire. Tarjeta, la carte bancaire. Ni même avec des pièces ou des billets, il faut aller demander au gars le nombre de machines qu'on souhaite, etc. Donc, il faut savoir dire au gars, bonjour, je voudrais deux machines de 14 kg et trois machines de 8 kg. Va dire ça en espagnol, quoi. Donc, c'est pas évident, j'ai quand même réussi à me faire comprendre. Plus après, il y a les séchoirs, grâce à ma petite application, Duolingo, toujours. Hein. C'est vrai que j'avais une demande de partenariat à l'époque pour Babel, c'est assez connu. Mais bon, je suis pas trop à l'aise, hein, vous savez, avec les partenariats, les trucs comme ça, et puis Duolingo, j'avais bien aimé. C'est une appli qui est gratuite. Je vous montre, ça se présente comme ça. Et puis là, par exemple, je suis au chapitre 2.
Voilà, chapitre 1, c'était vraiment le tout début, quoi, les mots bonjour, merci, etc. Et puis là, je suis au niveau 2, ça veut dire que là, en ce moment, je suis en train d'apprendre, décris ta maison et parle de taille. Donc la taille, j'ai pas encore commencé, mais décrire la maison, tout ça. Alors bon, la fourchette, l'assiette, la chambre à coucher, etc., etc. Et franchement, j'aime trop. C'est trop bien, ça m'apprend facilement. Puis je suis hyper motivée, donc forcément, quand on est motivé à apprendre, bah, ça aide beaucoup. Ah, je suis tellement fière de vous annoncer que la corvée de linge est bientôt finie. Tout est en train de, je vais dire de sécher, non, c'est déjà sec, hein. Tout est plié, les armoires sont archi pleines. C'est là où je me rends compte que j'ai beaucoup de vêtements. Mais écoutez, j'ai plus de place que dans les commentaires, que dans les placards que j'avais dans les précédents camping-cars. Donc ça me permet de me faire plaisir de temps en temps et de racheter des choses. Ici, hop, j'ai une rangée de vêtements. J'en ai encore une juste derrière parce que c'est vrai que le placard est quand même assez profond. J'ai ici mes petites jeans, j'ai encore une rangée derrière, et là j'ai mes pulls, une rangée derrière, plus une rangée là. Donc voilà. Et puis j'ai encore mon armoire où je vais mettre mes pulls sur les cintres. Mais je vous avoue que ce changement de camping-car, ça m'a totalement changé la vie. Déjà, j'ai beaucoup plus de place, donc ça c'est déjà super cool. Par exemple, le fait d'avoir une soute, bah ça c'est trop bien parce qu'avant, bah, dans Gérard, j'avais pas de soute, j'avais juste les espèces de rangements en dessous de mon lit, mais qui étaient très vite remplis, d'autant plus que j'en avais un où j'avais mes bouquins, mes godasses, et l'autre j'avais la cuve. Donc j'avais ça d'espace pour ranger des affaires, donc autant dire que j'avais pas beaucoup d'espace. Et que là, l'avantage c'est d'avoir cette grande soute, et donc aussi bah, pour les croquettes de Coda, où est-ce que je les aurais mises avant, bah, j'en sais rien du tout. Eh bien, j'ai la possibilité de les mettre là-dedans avec la trottinette, avec mes bouquins, avec quelques godasses. Bon, j'en ai laissé beaucoup dans des cartons chez des amis, mais sinon, ouais, j'ai mes draps, j'ai mes pilou-pilou, parce que l'air de rien, les pilou-pilou, ça prend quand même pas mal de place. Et voilà. Et pour ça, je remercie vraiment la personne qui a changé ma vie, qui m'a fait aussi de bien que de mal, je dirais, quelque part. Je ne citerai pas son nom hein, parce que vous savez très bien de qui je veux parler. Disons que j'en ai beaucoup voulu à cette personne de m'avoir vendu un camping-car dans un état comme celui-là. Ça, c'est sûr. De Jean-Jacques, hein, je veux parler. Parce que bah, j'ai été tellement ennuyée avec. Hein, bon, vous l'avez suivi, hein, il y avait tout qui était pourri, la cellule qui bougeait, etc. Et en fait, je me dis que si j'avais pas eu cette mauvaise expérience, eh bien jamais je n'aurais pris la décision à un moment donné d'acheter un camping-car beaucoup plus récent pour avoir la paix. C'est-à-dire que peut-être que si à un moment donné, Gérard serait tombé en panne et on n'aurait rien pu faire pour lui. Bon, ceux qui ne savaient pas, j'ai eu deux camping-cars avant, je le répète juste comme ça au cas où, parce que c'est vrai que des fois j'oublie que, bah, y a des nouvelles personnes sur la chaîne. Donc tout d'abord, j'ai eu mon camping-car Gérard que j'ai eu pendant 5 ans, un J5 de 1986. Ensuite, j'ai eu Jean-Jacques, qui est un C25 de 1990. Et ensuite, j'ai celui-ci, donc que j'ai renommé le Beluga, mais bon, la plupart du temps, je dis mon camping-car, qui est de 2003, 2004, je sais plus, 2003 ou 2004. Donc c'est un Fiat. Oui, c'est un Fiat. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que là, je m'active pas beaucoup pour ranger mes affaires. Hein. Hop, c'est pas le tout de causer, mais il y a du linge à ranger. Ben, comme je vous l'ai dit, si par exemple, à un moment donné, Gérard, donc mon premier. Pourquoi j'ai envie de dire premier commentaire? C'est un truc de fou d'être obsédé par les commentaires comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires. Si Gérard, qui est mon premier camping-car, avait lâché et qu'on n'aurait rien pu faire, mais vraiment rien du tout, je pense que je serais repartie de nouveau sur un ancien modèle. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a moins d'électronique et donc si t'es en panne, ce sont des choses qui se changent assez rapidement. Changer une courroie, faire une visserie, des choses comme ça. Ici, si j'ai un problème, on peut même pas passer les mains dans le moteur tellement tout est compact. Et forcément, tu es obligé de passer au garage. Ça, c'était le petit hic que je voulais éviter. Et puis, tous les problèmes que j'ai eus avec finalement ce Jean-Jacques, ça m'a fait me dire, j'en ai marre de galérer. J'en ai marre d'avoir, alors entre guillemets, des épaves. Jean-Jacques était une grosse épave, mais épargne mon petit Gérard qui lui aussi commençait à être mal en point. Mais franchement, ça n'avait rien à voir avec celui que j'ai eu après. Je me suis dit, je suis passée par les infiltrations, par toutes les parois pourries, par les problèmes avec la culasse qu'on avait changée, avec la distribution qui était morte, avec toutes les pièces diverses et variées qu'on avait pu changer, avec la rouille. Je me suis dit, mais Annabelle, est-ce que maintenant t'as pas envie d'un peu plus de confort? T'en as pas marre, quoi? Dépense ton fric. Ok, ça coûte cher, mais au moins après, t'auras la paix. Et du coup, bah, j'en suis venue comment avoir la paix? Bah, j'ai acheté ce camping-car. J'ai dit au départ, je vais en prendre un 95, 96 grand maximum. Et après, j'ai vu celui-là. J'ai dit, coup de cœur visuel, j'ai trop kiffé la capucine, tout ça. C'est tout à fait ce que je voulais.
Et voilà, je me suis posé pas plus de questions que ça. J'ai dit, c'est cher, tant pis, je m'en fous, je fonce. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas dit le prix parce que bah, je savais que ça allait faire parler en fait. Quand j'ai acheté Jean-Jacques qui coûtait 4000 euros, on m'a dit, ah ouais, va bosser pour te payer des camping-cars à 4000 euros. Et je savais que si j'allais dire le prix, donc celui-ci qui m'avait coûté 22 000 euros à l'époque, on allait me dire, ah bah ouais, ça rapporte bien YouTube, hein, t'as pas honte, va bosser. Enfin, je sais qu'on m'aurait de toute façon dit quelque chose, donc c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas dit le prix. Mais là, je me suis un peu enflammée, je me suis dit, bah vas-y, je mets ce budget-là. C'était un camping-car où il n'y avait rien au niveau du contrôle technique, pas de défaut mineur, rien. Donc j'avais beaucoup plus confiance et je me suis dit, c'est ta maison après tout, donc donne-toi le droit d'avoir un petit peu plus de confort. Regardez. J'ai de l'eau quand je fais ça, alors que déjà dans Gérard je pouvais pas faire ça. J'ai une salle de bain où quand je l'ouvre, je peux aller faire mon petit pipi tranquillement. Je peux prendre une douche dedans, enfin vraiment, maintenant tout est propre, tout est bien, je m'inquiète de rien. Donc je suis trop bien. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse et je continue de pendre mes affaires. Je vous ai pas trop montré, je crois, le spot où je me trouvais, mais regardez. Hop, alors aujourd'hui, je pense vous l'avoir dit, hein, c'est la journée de l'Andalousie, donc il y a du monde un petit peu partout. Il y a pas mal de rassemblements lors des jours fériés, lors des week-ends, les Espagnols adorent se retrouver entre eux. Et du coup, eh bien, ils sont posés, voilà, ils ont mis les tables, tout ça, ils font un petit feu de camp. Ils se retrouvent tous ensemble, c'est hyper hyper convivial. À côté, on a la rivière, donc tout le monde part un petit peu se baigner. Même Koda, on est parti se baigner un peu tout à l'heure, tremper les patounes. Le seul hic à ce spot, c'est quoi? C'est ceci. Ceci, ceci, et encore ceci. Il y a des mouches vraiment partout, partout, partout. C'est une dinguerie, je ne sais pas si c'est à cause de l'eau que ça les attire comme ça. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir un petit peu de ménage avant que je ferme mon store ce soir avant de dormir, parce que sinon, leur spécialité, c'est me réveiller en rentrant dans mes narines. Il y a rien de plus agréable que ça. Bon, ben, je suis un petit peu deg, vous savez pourquoi? Parce que je vous avais montré un petit peu le spot où je me trouvais, je pensais vous le filmer le lendemain. Alors attendez, hop, voilà. Et finalement, il s'avère que bah, les chiens ont commencé à aboyer. Je sais pas pourquoi, en journée, il n'y avait rien, l'après-midi, le soir. Et puis dès qu'il a commencé à faire nuit, on dirait qu'il lâche les chiens pour surveiller, je sais pas, les propriétés où il n'y a personne la nuit, les terrains, les potagers, les fermes, je n'en sais rien. Mais ça aboie vraiment dans tout le quartier, j'ai jamais entendu ça. Il y avait au moins une vingtaine de chiens qui aboyaient à tue-tête. Donc j'ai décidé bah, de partir et de revenir sur le spot bah, où j'ai passé 3 jours. Un spot en pleine forêt où vraiment on n'entend rien du tout. T'es là, Koda? Koda est parti faire son petit pipi. Là, il est 22h, je crois. J'étais au lit avec ma petite bouillotte. Le revoilà. J'étais au lit, j'ai ma petite bouillotte. J'étais tellement bien, franchement. Mais comme on dit dans la vie, hein, c'est partie remise. Donc je vais remettre mon pyjama. Je vais me remettre à pied de chaussette et je vais enfin aller dormir. À demain, les amis. Bonne nuit. Ça y est, me voilà arrivée à Casares. Donc pour la première fois, je vais expérimenter de filmer en ayant Koda au bout du bras. Ça risque d'être assez sportif, je suis désolée si ça tremble. Mais je me dis que bah, là, il n'est pas sorti aujourd'hui. Tout du moins, on n'a pas fait de grande balade ensemble, donc je ne me vois pas le laisser tout seul ici le temps que je pars me balader. Donc on verra bien ce que ça donne. Ah mon titi, avec ta petite tête d'amour là. Bah oui, on va pas le laisser tout seul celui-là. Bon, je pense que ça risque d'être compliqué, en plus des vidéos, faire des photos, tenir Koda qui a envie de bouger dans tous les sens. Je pense que je vais seulement faire quelques plans de temps en temps. Mais sinon, je vous laisse avec cette petite vue de Casares, on a l'église là-bas. Je pense qu'il va falloir pas mal grimper pour aller la voir. Mais voilà, le village est plutôt sympa, c'est un petit village blanc hein, d'Andalousie toujours. J'aime beaucoup leur disposition. Alors jusqu'à maintenant, rien de transcendant, hein, voilà, c'est un petit village blanc, c'est quand même sympa malgré tout. Et puis, je suis tombée sur ce petit coin qui est un petit peu plus decay, un peu plus vintage, regardez. On a ici la roche qui dépasse du bâtiment. Avec ici, bah, visiblement, un ancien restaurant. Ça, ça donne envie de faire un petit peu d'urbex, mais bon. Là, on commence à arriver, je crois, au niveau de l'église hein, que je vous avais filmé tout à l'heure quand on était de l'autre côté sur les hauteurs. On est dans sous un petit pont comme ça. Regardez-moi ça. Super sympa, et apparemment, bah ouais, il y a un château avec des fortifications un petit peu arabes. Je vous montre tout à l'heure, on était à ce niveau-là. Regardez dans le ciel, on voit plein d'aigles. C'est hyper impressionnant comme ils sont grands et puis ils vont vite. Regardez-moi ça. Vraiment magnifique, hein. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi près.
On a tout plein, après on est à côté d'un parc naturel. Alors un truc que j'adore en Espagne, c'est les poubelles. Regardez les sacs poubelles, ils sont tous comme ça ici. Ils sont tous sortis de la poubelle elle-même. Et du coup, on a beau mettre des déchets, ça sert à rien. Le sac est même troué. Et c'est comme ça partout. Franchement, je sais pas trop comment est-ce qu'ils font leurs poubelles de sorte à ce que, à cause du vent et les courants d'air, elles ressortent. Mais bon, écoutez, grand mystère. Et là, nous voilà au niveau de l'église. Maintenant, c'est de savoir comment sortir de ce village parce qu'en fait je suis dans un vrai labyrinthe. Je suis partie par là-bas, à gauche c'est chez des gens, tout droit c'est une petite place et c'est encore chez des gens. Ici on n'a aucune sortie. Hop, est-ce que vous entendez, c'est de nouveau un sac poubelle espagnol. Alors les amis, regardez le spot sur lequel je me trouve après avoir visité Casares hier. J'ai passé la nuit là-bas, etc., sur un petit parking de village que je vous ai peut-être montré, je ne sais plus. Et aujourd'hui j'étais censée aller visiter un autre village, mais j'avais envie aussi de profiter avec mon petit pépère qui est ici. Et donc comme il y avait un spot avec une rivière entre les deux villages, je me suis dit bah écoutez, on va tester, voir si c'est bien, pas bien, au pire on fera quand même une petite rando tous les deux, avec un petit tour à la rivière bien entendu parce qu'il adore ça. Et puis après on repartira de là, mais écoutez, le spot il est super, donc j'ai prévu de rester ici cette nuit. Regardez, je me suis mise là, hop, la rivière est là. Donc vraiment le top du top, je vais m'endormir avec le doux son mélodieux de l'eau qui s'écoule. Et voilà, il y a un autre camping-car qui est là-bas. Hop, je ne vous le filme pas spécialement, mais c'est aussi une femme qui vit seule dans son van, une Française. On a un petit peu papoté, elle a deux chiens, les chiens jouent ensemble. Donc voilà, c'était un bon petit moment partagé. Ça fait plaisir de rencontrer d'autres femmes qui vivent aussi comme ça en camping-car. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et puis nous avons ici l'obsédé du bâton, du Kong, de la balle, des pommes de pin, hop, qui est de retour. Prêt, doudou? Hop là. Bon, par contre, on n'a pas encore eu l'occasion de lui apprendre un peu à nager, même si d'office le chien, je pense que la plupart des chiens savent nager sans qu'on leur apprenne. Mais on n'a pas encore eu l'occasion de tester. Il me fait rire, vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, il attrape le bâton. Regardez-le. Il croit que c'est une table et que du coup, ça va rester fixe. Alors tout à l'heure, il se secoue comme ça. Il pose son bâton là, il se secoue. Il y a le bâton qui entre-temps part là-bas. Lui ne le voit pas. Il croit que le bâton s'est enfoncé dans le sol. Alors avec sa patte, il essaie de gratter les cailloux. En fait, il comprend pas que ce n'est pas une table. Hein? Donc fais gaffe à ton bâton, parce qu'il n'a pas 36. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme vous l'avez vu, hein, c'est un petit peu divers et varié. Je vous parle un petit peu de mon ressenti en faisant mon linge, hein, pourquoi pas. Il y en a bien qui jantent sous la douche ou qui pensent à leur vie quand ils sont sur les chiottes, et ben moi c'est en faisant mon linge que je commence à être un petit peu plus pensive que d'habitude. J'ai, ben voilà, la petite balade aussi, et puis c'était vraiment super, une super rencontre, hein, comme je vous l'ai dit, avec une femme, alors qui ne vit pas en camping-car par contre, hein, rectification, on a passé 2-3 heures à parler ensemble après, les joints. Je vais me faire bannir de YouTube à dire joint. Les chiens ont joué ensemble pendant 2h30. Koda, toujours pas fatigué forcément au bout de 2h30 de jeu. Et les 2 heures de balade juste avant, ça, infatigable, hein, je t'ai dit en début de vidéo. Mais voilà, on va certainement garder contact, hein, on s'est ajouté sur les réseaux sociaux. Et puis en fait, elle vit en Bretagne, et comme je compte y aller, elle m'a dit « Ah bah tu m'envoies un message, t'es la bienvenue à la maison, j'ai du terrain, tout ça. » Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir la rencontrer. Je ne sais pas si elle regardera mes vidéos ou pas, hein, tout du moins, elle s'était abonnée et puis... Et puis voilà, c'était la petite parenthèse, ça fait vraiment super plaisir, les rencontres comme ça imprévues, hein, finalement, parce que c'était vraiment au milieu de nulle part, au bord d'une rivière, et pourtant je rencontre cette femme. C'est beau la vie quand même, hein, c'est beau. Bon, les amis, je vous laisse, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec, ce sera peut-être un vlog, je ne sais pas, est-ce que je vais savoir tout mettre dans une vidéo? Je ne suis pas persuadée, parce que j'ai visité le même jour, je ne sais pas comment j'ai fait, Setenil de Las Bodegas et Ronda. Donc deux trucs immanquables si vous allez en Andalousie, il faut vraiment vous y arrêter. Et j'ai encore eu un problème, mais non, mais moi c'est une dinguerie, il faut vraiment que je fasse attention à la
hauteur du camping-car parce que ça fait deux fois en un mois que ça m'arrive. Et là, j'ai arraché mon antenne. Enfin bon, bref. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous les amis. Salut, salut. Portez-vous bien.